Pierre Boudet n'a pas été du genre à rechercher les feux de la rampe ou ni à se vanter de ses propres réalisations. Ainsi, de son vivant, il n'a jamais vraiment reçu la reconnaissance que méritait son immense contribution à la lutte pour un mode de vie humaine plus égalitaire. Au cours des 3 décennies que j'ai passées dans la lutte anti-apartheid, j'ai travaillé avec de nombreux géants de tous les mouvements de libération en Afrique australe, ainsi qu'avec des militants anti-apartheid de tous les continents. Aucun d'entre eux m'a impressionné autant que Pierre Boudet. Pendant les 4 ans de notre étroite collaboration au sein de SIDMA, j'ai eu l'immense privilège d'observer son esprit analytique, stratégique et tactique exceptionnel. Le mouvement anti-apartheid à l'époque était marqué par le sectarisme et aux tentatives incessantes de faire adhérer les militants à une ligne politique particulière. Dans ce contexte chargé, Pierre avait son propre analyse lucide des forces et des faiblesses de tous ces mouvements de libération et des groupes de solidarité. Il reconnaissait les multiples contradictions et les limites. Cependant, pratiquement seul parmi ses militants, Pierre a réussi à établir les relations du travail productif avec des personnages et des organisations à travers un spectre idéologique, linguistique et géographique exceptionnellement disparaître. À mon avis, pendant les années cruciales de 1985 à 1990, Pierre était de loin l'organisateur le plus influent de l'ensemble de mouvements anti-apartheid au Canada. Il me faudrait beaucoup plus de temps que disponible pour énumérer les éléments de son immense contribution. Peut-être la meilleure façon de le faire, c'est de répéter ce que j'avais dit à un cinéaste de Vancouver. Parler du mouvement anti-apartheid au Canada sans parler de Pierre Baudet, c'est comme parler du socialisme sans parler de Karl Marx. Comme on dit lors du décès de quelqu'un qui a marqué notre vie en Afrique du Sud, Hambagash les Pierre. Je regrette beaucoup de ne pouvoir être présent physiquement avec vous et je remercie Christophe de vous rejoindre depuis Paris et Ronald de son attention constante. Comme vous le savez, Pierre était un frère, un ami, un camarade, et nous avons été très liés pendant plusieurs décennies. Nous discutions beaucoup, mais nous n'avons jamais divergé, et aucun désaccord sérieux n'a entamé notre longue fraternité. Notre culture commune, notre passion commune, c'était l'internationalisme, prolongé dans son étape actuelle par l'altermondialisme. Notre histoire de référence, c'était l'histoire longue des internationales, avec une tendresse particulière pour la première internationale. Et nous partagions la nécessité d'un effort intellectuel ininterrompu, nourri par le marxisme, dont nous savions qu'il devait être profondément renouvelé et réinventé, mais dont nous savions aussi qu'il fallait y revenir pour se ressourcer et éviter les renoncements et les récupérations. Ce que l'altermondialisme nous a apporté, c'est la compréhension du rôle et de la richesse des mouvements sociaux et citoyens et le cheminement dans ces mouvements et à travers eux, dans chaque société et dans le monde, des radicalités annonciatrices d'un nouveau monde. La radicalité des mouvements ouvriers, des mouvements paysans, des mouvements féministes, des mouvements antiracistes, des migrants, des écologistes, des peuples autochtones, tous ces chemins qui réinventent l'internationalisme. L'engagement, c'était le chemin, mais il ne rendait pas aveugle et on ne pouvait tenir
qu'en prenant de la distance et en ayant recours à l'humour. Quand nous rencontrions des échecs ou des désillusions, ce qui est arrivé très très fréquemment, nous nous racontions de nouveau cette histoire attribuée à Mao. Mais quelle est la stratégie? Et la réponse, la stratégie passe par l'affrontement avec la bourgeoisie. Et affrontement avec la bourgeoisie se traduit par une défaite. Nouvel affrontement, nouvelle défaite. Nouvel affrontement avec la bourgeoisie, nouvelle défaite. Et ainsi de suite jusqu'à la victoire finale. Et cette nouvelle version, en somme, du mythe de Sisyphe, nous faisait beaucoup rire. Vous savez combien Pierre aimait écrire et combien il a écrit. Il avait une idée très claire de la manière de construire l'internationalisme par la pensée. Il expliquait ainsi que ce qui compte, ce n'est pas de traduire des mots, mais de traduire des concepts et des cultures. Ainsi disait-il, « Comment traduiriez-vous « buen vivir » sans prendre en compte ce qu'ont apporté les apatistes et les peuples indigènes ?» C'est cette intuition qu'il avait, qui a été à l'origine de la création à Ramallah, avec Vinod Rena, de l'intellectuel collectif international des mouvements sociaux, qui est attribué à Gramsci, évidemment, et qui est devenu Intercol, prolongé par la plateforme altermondialiste. Je ne parlerai pas d'alternative qui a tant compté dans sa vie et qu'il avait la passion de multiplier sur tous les continents avec Alter Inter, et que le collectif de ceux qui l'animent et de ceux qui ont participé à son histoire vont devoir réinventer et renouveler. Je voudrais dire à Anne, à Victor, à Alexandre, à toute l'équipe d'Alternatives, actuelle et passée, que nous n'oublierons pas Pierre et que son souvenir participera à l'invention de nouveaux avenirs internationalistes, de nouveaux mondes. Je vous remercie. Oui. Je garderai toujours les souvenirs, un très bon souvenir de Pierre, par sa persistance dans la lutte, par sa disposition et par sa générosité avec ses amis. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans des forums sociaux mondiaux et à Montréal, dans le forum à Montréal, et à d'autres occasions. J'ai eu l'opportunité une fois d'être à Ottawa pendant tout un mois. Il nous a accompagnés, à moi et à Estella, nous a aidé pas mal de choses, nous a donné tout l'appui nécessaire. Mais c'est vraiment sa fermeté, sa capacité d'analyser les phénomènes de façon lucide et analyser la démarche du Forum social mondial d'une façon très lucide qui m'a toujours impressionné. Et c'est ce souvenir de sa générosité et de tout ça que je vais garder toujours, comme tous ses amis certainement garderont. Ce n'est pas un hasard si Pierre et moi, on a créé presque simultanément Alternative à Montréal et le Centre d'information alternative à Jérusalem et à Bethléem. On exprimait l'un et l'autre un besoin commun de tracer des pistes alternatives à la vieille politique, au vieux discours et je dirais aussi au vieux parti. Très vite, on s'est rencontrés dans des regroupements internationaux et on a collaboré très étroitement. C'est ainsi qu'on a créé, avec d'autres camarades, Alter Inter, qui a permis un échange, et un échange politique, mais aussi une coordination dans le cadre des forums sociaux, par exemple, et de regroupements internationaux divers. J'aimais beaucoup l'humour de Pierre, qui n'a jamais été un humour cynique.
et qui représentait aussi un regard, son regard intelligent sur les réalités politiques et autres, humaines aussi, et son optimisme. Pierre et moi, on avait le même âge, mais je l'ai toujours considéré comme un grand frère. Il était beaucoup plus proche du monde réel. Il savait conjuguer à la fois le rêve d'un monde, d'un autre monde possible, mais aussi les réalités concrètes de la construction d'un mouvement au niveau québécois, mais à l'international. Combien de fois Pierre a su nous orienter vers des pistes de financement, par exemple, quand on était en train de sombrer. Pierre, c'était donc cette synthèse entre une capacité de se projeter dans l'avenir et donc de rêver, tout en étant très accroché au monde réel et à la construction de mouvements réels au Québec et à l'international. I have known Pierre for about 25 years, during my entire career life, which never stopped for a moment. What distinguished Pierre Boudet from others is wisdom. He used to give wisdom to everyone around, whether those who lived or worked with him. Pierre was a person who was always preoccupied with public issues, whether these issues are at the national or at the global level. He was a person who was preoccupied with the issue of oppressed and poor people. He was a leader of the first degree and a person who is familiar with the global political, social, and economic conditions. He used to create good thoughts and stimulates others to think and analyze. He was a practical person who did not fall as a prey of unrealism. Pierre was honest in his intellectual and political work. He was not hypocritical, but on the contrary, he was active in understanding the people's social movements. He was also honest in what he presents and spared no effort in doing that. I am sure that he adopted many persons, showed them the way, and to provide them with his knowledge and his intellectual wealth and insights, helped them to obtain the ability to analyze and understand their condition. He always believed in the inevitability of the victory of justice, and hope was always the basis of his movement as an international defender. He used to see what people did not see. He was loving and caring without limits. His influence went beyond his native country, Canada, to cross continents and oceans. It went to places where it was difficult to reach. He had inspiration and highest ability to predict and understand the strength of the people. I am one of the lucky ones who have been adopted by Pierre, and one of the few who have had his wisdom. Pierre was the path of those who lost knowledge. I am one of the lucky ones who sh he showed them the way. Pierre was not an ordinary person for me. His joy, sadness, and success were mine, and so mine were for him. When I was elected as a president of the Global Campaign for Education, I rushed to tell him. I saw how happy he was as he considered it is his success. I was always and will be always proud of him. I was always proud of him wherever he went, wherever he spoke, wherever he was, and wherever I was with him. Pierre understood very well
the impact of the occupation on us as a Palestinian. And he understood the context of the injustice that we live through. And he was well aware of the impact of the unjust policies of the colonialism and capitalism on the poor people all over the world. He was aware of his role as a global citizen towards the issue of the oppressed. And thus, we have always known him as a solidarity fighter without condition. Pierre was a very close friend to the family, and we all loved him unconditionally. We lost him as a family and as a good friend, as he used to bring joy to our house whenever he visited us. His death is a great loss for all of us. Personally, I feel I lost half of my life, but he will remain in our heart forever. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès de notre ami, de notre camarade, Pierre Baudet. Au nom des organisations haïtiennes, en particulier au nom de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, et au nom du parti Racine Camp-Up, nous voulons exprimer notre tristesse, notre profond désarroi à l'occasion de la disparition de Pierre Baudet, parce que nous avons cheminé ensemble depuis très longtemps à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux chemins, de nouvelles stratégies. Et je dois remercier Pierre pour sa grande contribution à la réflexion critique au niveau des mouvements socialistes au niveau mondial, au niveau du Québec, au niveau d'Haïti. Et je dois dire que Pierre avait toujours manifesté énormément d'intérêt pour nous accompagner, pour réfléchir avec nous, pour nous questionner au niveau des luttes des mouvements sociaux en Haïti, au niveau des luttes des mouvements sociaux dans la Caraïbe. Et Pierre s'était toujours manifesté par beaucoup de rigueur, beaucoup d'esprit critique et beaucoup de force et de détermination, non seulement pour défendre les luttes populaires, pour défendre les intérêts des classes populaires, mais aussi pour réfléchir de façon critique sur les expériences du socialisme du XXe siècle et pour pouvoir mettre tout ce qu'il avait dans le cadre de la reconstruction de la pensée socialiste, de la reconstruction du mouvement socialiste au niveau international et réinventer de nouveaux chemins qui nous permettent d'être à la hauteur des défis du XXIe siècle. Donc je pense que la contribution de Pierre est essentielle pour nous aujourd'hui. Nous avons cheminé ensemble dans beaucoup d'espaces, non seulement au niveau de l'Alternative Canada, au niveau du Forum Social Mondial. Pierre était toujours présent dans le Conseil international du Forum Social Mondial pour essayer d'orienter cet espace. Et nous avons partagé beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Et je pense que ce long cheminement que nous avons fait avec Pierre, notamment dans le cadre d'Alternative Canada ou dans le cadre du Forum Social Mondial, je suis convaincu que ce long cheminement va rester présent dans notre mémoire à tous, va rester présent dans nos luttes quotidiennes. Et je suis sûr que l'extraordinaire contribution de Pierre sera toujours une semence vivante qui nous permettra d'aller plus loin, non seulement de continuer ses rêves, mais aussi de continuer la lutte pour le triomphe de la justice, le triomphe du socialisme et la transformation radicale de nos sociétés. Au nom de la PAPDA, au nom du parti Racine Camp-Peuple et au nom des mouvements sociaux haïtiens qui ont toujours bénéficié de la collaboration de Pierre Baudet, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à sa famille, à sa femme d'abord, à ses parents, à ses enfants et à ses collaborateurs et tous les militants qui ont accompagné ses luttes et ses efforts au niveau de Québec solidaire, au niveau de l'Alternative Canada, au niveau de l'enseignement qu'il faisait à l'Université d'Ottawa. Je suis certain qu'aujourd'hui, nous partageons avec vous une grande tristesse. En même temps, c'est le moment de réfléchir sur ce fabuleux héritage de Pierre que nous allons continuer à faire fructifier. Pierre, le choc de ton départ est encore très vif pour moi, même si nous n'étions pas très, très proches. Mais je veux te dire à quel point te côtoyer à différents moments et lors de différents événements a été une source d'inspiration pour moi. Que ce soit au conseil d'administration d'Alternative, dans le cadre des forums sociaux mondiaux, lors de l'université d'été,
des cahiers du socialisme, ou d'écrits en collaboration avec toi, je pense au guide pratique de la coopération internationale, ou avec les nouveaux cahiers du socialisme. J'ai toujours été ébahie par ta capacité à concilier réflexion, analyse et action et mobilisation pour que les bottines suivent les babines, comme on disait, ou autrement dit, qu'il fallait faire marcher à la fois nos neurones et pas juste nos pieds, l'un et l'autre, dans les combats qui sont les nôtres. J'ai aussi beaucoup appris de ta capacité à déranger autour de toi, sans trop d'état d'âme. Tu fonçais, mais aussi à ta capacité à te faire déranger par les changements de conjoncture, les nouveaux défis, la montée de nouvelles générations de militants et de militantes. Je salue aussi le fidèle et indéfectible allié du peuple palestinien. Tu as été avec une si grande détermination, et j'ajouterais avec tendresse. On sait que la solidarité, c'est la tendresse des peuples. Et à ce niveau, tu as été exemplaire. Pierre, tu es parti trop tôt, trop vite, comme la fulgurance d'une comète, mais dont nous pouvons encore très longtemps suivre la trace. Merci, Pierre, pour ce que tu as accompli et pour ce que tu as été. Bonjour, mon nom est Robert David. On m'a demandé de faire ce vidéo, un témoignage que j'ai écrit et placé sur Facebook auparavant. Je vais juste le lire, comme on m'a demandé. Il est difficile d'écrire ces lignes dédiées à la mémoire de mon collègue et ami de longue date, Pierre Baudet, et ce, même une semaine après son décès, lorsque je l'ai écrit. Encore plus difficile, cependant, de ne pas partager avec vous quelques pensées et anecdotes afin de lui rendre hommage, d'apporter un brin de confort à ses proches et de contribuer à ce que le flambeau qu'il portait haut et fort continue à illuminer notre monde. J'ai eu la chance de travailler avec Pierre de 1984 à 2017 de la rue Saint-Dominique à Montréal, où il y avait plusieurs groupes réunis, jusqu'au campus de l'Université d'Ottawa, en passant par Alternative, bien sûr. Ce qui m'a toujours impressionné chez lui était ses compétences exceptionnelles dans trois domaines essentiels à tout travail de solidarité. Grande connaissance du milieu et des enjeux, fine habileté d'analyse et de choix stratégiques, et forte capacité d'organiser et d'exécution. Seules quelques perles rares parmi nos contemporains arrivent à combler ces trois qualités à un tel niveau. Ajoutez à cela ses valeurs progressistes et sa détermination, et vous avez devant vous un leader d'exception qui donne aussi l'exemple par son style de vie et son salaire modeste, son travail acharné et son respect des partenaires basé sur l'égalité de tout être humain sans exception. Pierre n'avait rien d'un idéologue qui impose une ligne à suivre. Ainsi, il travaillait avec des personnes de divers horizons politiques dès lors qu'ils étaient prêts à s'associer aux causes que nous défendions. Nous pouvions toujours débattre avec lui des positions à prendre, des partenaires à défendre, des projets à appuyer, et ce, dans le respect mutuel. Deux choses l'indignaient plus que tout autre. D'une part, ces injustices flagrantes infligées par les classes dominantes à la population de leur propre pays ou encore à celle d'un autre pays. D'autre part, et c'est un corollaire de la première, le manque de vision stratégique chez des dirigeants et des cadres en position de contribuer davantage ou en faire beaucoup et à corriger ces injustices, quitte à ce que leur vue soit ou leur point de vue soit différentes des siennes. Dans certains cas, ceux-ci ne prenaient même pas la peine de se renseigner adéquatement et de faire leur boulot. Cela a même, à quelques occasions, mené à des prises de bec,
Heureusement, la plupart du temps, ils savaient se retenir jusqu'au moment de sortir d'une réunion dans une agence, un ministère, un organisme ou ailleurs, pour ensuite se livrer à une série d'invectives qui faisaient écho autant dans les corridors que chez nos jeunes. Ce qui le motivait le plus, ces peuples qui se soulèvent et se mobilisent pour confronter leurs oppresseurs dans diverses régions du monde, ce qui le menait à appuyer ceux et celles qui avaient le plus de potentiel pour parvenir à transformer leur société. C'est la raison pour laquelle il a toujours travaillé avec des organismes partenaires, et ce, en tant qu'égaux, luttant pour une même cause, ou une cause commune, l'essentiel même du travail de solidarité. Ce travail de solidarité n'est pas facile, surtout lorsqu'on s'attaque au pire fléau de notre monde causé par l'homme. Qu'on pense aux dictateurs sanguinaires, aux dictatures sanguinaires, au racisme systémique, aux exploitations profondes, à la domination et aux abus infligés aux femmes, aux guerres et aux génocides entraînant des millions de morts, pour ne nommer que ceux-là. On perd aussi trop souvent des partenaires de combat, des dirigeants et dirigeantes d'organismes ou d'organisations de masse, des leaders communautaires, des militants et militantes politiques, des journalistes et des intellectuels engagés. Dur à prendre pour quiconque avec un grand cœur, ce qui mène parfois à la déprime et même à des tentatives de suicide dans nos rangs, comme nous l'avons constaté malheureusement. Il faut donc prendre soin de soi-même, ainsi que des autres à nos côtés, même ceux et celles qui sourient et qui nous semblent les plus profonds, les plus robustes. Pierre en était très conscient. Heureusement, Pierre a pu s'encadrer avec ses proches, avec Anne, avec ses fils Alexandre et Victor, avec sa mère que j'ai côtoyée de près à Sucot, Michel, et ses sœurs, et même plus récemment avec son petit-fils. Il a aussi pu maintenir son sens d'humour, toujours prêt à partager la dernière blague qu'il avait entendue. Doté d'une curiosité intellectuelle insatiable, excusez, son idée de vacances était de se munir d'une pile de livres, dont le dernier de John le Carré et bien d'autres livres de fiction et non-fiction, et de les lire près d'un plan d'eau avec Anne et plus tard avec leur plus jeune, à moins de partir en voyage lorsqu'il le pouvait, bien entendu. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, je l'ai toujours appuyé et nous manquerons terriblement, à nous, ses compañeros et compañeras. Il y a rarement un début et une fin au travail de solidarité et de justice sociale. Nous sautons au passage dans le cours de l'histoire et tentons d'améliorer les choses durant le temps que nous avons. Pierre l'a fait de façon remarquable. Il revient maintenant à la relève, déjà bien engagée, et à venir, de continuer à porter le flambeau qui appartient à chacun et chacune d'entre nous. Comme il le disait si bien, nous sommes toutes et tous co-responsables de notre monde. Gracias por todo, hombre. Merci. Bonjour. Je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Pierre Baudet, qui nous a quittés si soudainement le mois dernier. Pierre Baudet, je le considérais comme un ami. On se connaissait depuis plus de 50 ans, on s'était connus à l'université. Et par la suite, chacun a pris le chemin de son engagement. Lui, dans le domaine de la solidarité, dans le milieu de la solidarité internationale, le mien dans le syndicalisme. Puis, on s'est retrouvés une trentaine d'années plus tard, au tournant des années 2000, lorsqu'il dirigeait Alternative, qu'il avait cofondée avec d'autres. Et c'est là que j'ai pris la pleine mesure du personnage qu'était Pierre. Un homme, évidemment, d'une remarquable intelligence, aux connaissances encyclopédiques et une capacité d'analyse originale, singulière. Mais ce qui était extraordinaire chez Pierre, outre ses immenses capacités intellectuelles, c'était sa volonté d'être un homme d'action,
et d'alliés, d'avoir à la fois une profondeur intellectuelle, ses nombreux écrits le prouvent, mais de toujours vouloir être en action, en créant des organismes, en créant des coalitions, en constamment en cherchant à pouvoir changer les choses. À l'époque, le slogan qui nous animait dans le courant altermondialiste, c'était « Un autre monde est possible ». Je pense que Pierre, c'est ça qui a animé Pierre toute sa vie. C'est qu'il croyait profondément qu'un autre monde était possible et qu'il fallait lutter, se battre pour l'atteindre. Pierre était un homme patient. Ça peut sembler paradoxal, mais patience dans le sens où il comprenait le cours de l'histoire. Il savait qu'on peut gagner des batailles, qu'on peut en perdre, qu'on peut faire des avancées, mais aussi pour avoir des reculs. Mais Pierre ne baissait jamais les bras, parce que justement, il gardait toujours espoir. Pierre n'était pas naïf non plus, mais il croyait profondément qu'une organisation du monde différente pouvait être atteignable et qu'il ne fallait jamais désespérer. Alors, en hommage à Pierre, gardons espoir nous aussi et continuons chacun notre façon à lutter pour un autre monde possible. Pierre Baudet a été pour moi une personne très importante dans ma vie, à la fois mentor, à la fois camarade de projet, collègue d'université, et puis aussi un grand ami, une personne avec laquelle je pouvais échanger, une véritable encyclopédie des mouvements sociaux, une personne toujours pleine de projets, un grand organisateur, un grand rassembleur, et avec lequel j'ai beaucoup appris. J'ai rencontré Pierre dans la préparation du Forum social québécois il y a plus de 15 ans. Et ensuite, il m'a accompagné ou je l'ai accompagné dans beaucoup de forums sociaux, d'événements internationaux en Afrique, en Amérique latine, au Brésil, au Venezuela. On a développé toutes sortes de projets. On a été collègues à l'Université d'Ottawa en développement international où on était un peu tous les deux les altermondialistes de service, un petit peu à contre-courant de cette institution, un peu hors de notre monde, mais où on a quand même toffé longtemps. Pierre, c'était, comme il le disait souvent, un vieux boxeur qui savait, dans le fond, continuer sur le chemin de ses convictions, et puis, malgré les embûches et malgré tout ce qui pouvait arriver, il m'a enseigné la persévérance, il m'a enseigné de croire en mes idées, de toujours travailler fort pour arriver à les réaliser. Donc merci beaucoup Pierre de tout cet apprentissage et puis je te garderai finalement tout au fond de mon cœur pour le reste de mes jours. Hommage à Pierre Baudet. J'ai connu Pierre Baudet en 1971, il y a plus de 50 ans. Nous étions deux jeunes étudiants fraîchement sortis de l'université. Nous étions maoïstes, marxistes-léninistes, et notre passion était d'organiser les travailleurs dans les grandes usines de Montréal. Pierre venait de fonder la librairie progressiste et la revue Mobilisation. J'étais membre du Cap Saint-Jacques, la gauche du FRAP à l'époque, et nous avons collaboré pendant plusieurs années à la création de ces comités de travailleurs. La librairie progressiste nous fournissait plusieurs outils, des livres, des revues, mais aussi une imprimerie qui nous permettait d'imprimer les journaux d'usine ou les tracts que nous distribuions à l'époque aux travailleurs et travailleuses. Ma collaboration avec Pierre s'est arrêtée en 1976. Je me suis joint à la Ligue communiste, le précurseur du Parti communiste ouvrier, un parti marxiste-léniniste. Pierre a choisi un autre chemin. Et nous avons repris contact près d'un quart de siècle plus tard, vers la fin des années 90, alors que je collaborais avec sa conjointe, Anna Tendresse, dans un groupe municipal de gauche nommé Focus Montréal. Et c'est là, à travers Anna Tendresse, que j'ai repris contact avec Pierre. Il était d'une humanité extraordinaire, même si nous avions rompu pendant près d'un quart de siècle. Nous avons repris tout de suite, comme si de rien n'était, des rapports cordiaux, affables, amicaux.
Ma collaboration avec Pierre s'est développée énormément à partir des années 2009-2010. Il m'avait invité à participer à la revue Nouveau Cahier de Socialisme, qu'il avait fondée vers 2009-2010. Nous avons collaboré ensemble sur les forums sociaux mondiaux, 2013 à Tunis, 2015 à Tunis encore une fois, 2016 à Montréal. Il m'a beaucoup aidé dans l'organisation du Forum social des peuples à Ottawa en 2014. Et Pierre était, comme moi, membre de Québec solidaire, la commission intermondialiste, où nous travaillons ensemble à développer les rapports internationaux de Québec solidaire avec les partis de gauche radicale en Europe ou les mouvements sociaux en Amérique latine. Dernièrement, Pierre et moi travaillons ensemble au prochain numéro de la revue NCS, un numéro qui porterait sur l'écosocialisme. Et c'est dans ce contexte-là, malheureux, que Pierre est décédé il y a à peu près un mois. Pierre est resté un militant dévoué, actif, créateur de revues, créateur d'organisations, créateur de nouvelles initiatives politiques de gauche jusqu'à la fin. C'est un militant exemplaire et donc je lui dis au revoir Pierre, nous avons travaillé ensemble, avec toi disparaît une partie de mon propre passé, nous resterons camarades éternellement et ce fut un grand plaisir, un honneur que d'être ton camarade et ton ami. Bonjour tout le monde, je m'appelle Emmanuel, puis je voulais simplement faire un rapide vidéo pour rendre hommage à Pierre, qui nous a quittés récemment. Au fond, moi j'ai connu Pierre en 2017, dans les mois qui précédaient l'organisation de la première édition de la conférence La Grande Transition, qui s'était tenue en mai 2018. Pierre, finalement, avait joint l'initiative au nom des nouveaux cahiers du socialisme, dans lesquels il a été impliqué depuis le début. Puis c'est dans ce cadre-là qu'on a finalement établi une collaboration puis une amitié qui a été très forte là, au cours des 5 dernières années. On a coédité entre autres là, un numéro des nouveaux cahiers du socialisme qui était basé sur la conférence La Grande Transition. J'ai donné des cours avec Pierre à l'UQO. On a pris régulièrement des marches, on a mené différents projets, il m'a encouragé dans mes propres initiatives, entre autres à Parc Extension, un quartier dans lequel je suis impliqué depuis quelques années. Et ça fait plaisir de pouvoir dire quelques mots sur à quel point Pierre est une personne qui a fait une différence finalement dans mon parcours. Pierre avait des qualités qu'on retrouve rarement chez une seule personne, un sens du travail, une générosité, une sensibilité incroyable, une capacité à soutenir les autres, des fois au risque de s'oublier un peu lui-même. Mais et puis une sorte de grandeur finalement dans son analyse, dans sa pratique qui était absolument admirable. Et je pense que c'est important de se rappeler que Pierre, au fond, par l'entremise de son travail, est parvenu à créer des réseaux puis des communautés qui font partie de sa postérité finalement, là, qui font vraiment partie de ce qu'il nous lègue. C'est ce désir-là de continuer à mener des projets ensemble, finalement, une multitude, finalement, d'initiatives qui a aidé à créer, à entretenir, que ce soit les alternatives, les nouveaux cahiers du socialisme. Il a fait avancer le débat sur plusieurs fronts au Québec aussi sur la question de l'altermondialisme. Il m'a introduit à plusieurs auteurs où il m'a aidé à mieux les comprendre, finalement, comme on avait régulièrement des conversations sur Gramsci, entre autres, mais sur plusieurs autres figures importantes pour la gauche, au fond. Je pense que Pierre était vraiment une source d'inspiration puis un leader qui a profondément changé les manières de penser puis d'agir de plusieurs d'entre nous. Puis je suis content de prendre ce moment-là pour rappeler à tout le monde à quel point Pierre a été important puis à quel point il a laissé sa marque puis il va continuer à nous accompagner dans les années à venir. Donc, bonsoir bien, camarade. Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci à Anne et Victor de m'avoir demandé de prendre la parole en hommage à Pierre. C'est un très grand honneur et j'espère être à la hauteur de cet homme à la stature immense. J'ai rencontré Pierre il y a plus de 20 ans, alors que je débutais dans le métier de chercheuse et que j'étais particulièrement novice concernant les différents milieux militants ici au Québec.
Pierre a été une des premières personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Il m'a très généreusement introduit à l'univers de l'altermondialiste, ses luttes et ses espoirs. Grâce à lui, j'ai croisé d'autres personnes formidables, militantes, investies au Québec et ailleurs pour d'autres mondes possibles. Comme beaucoup ici aujourd'hui et comme d'autres qui ne le savent pas, nous lui devons beaucoup. Pierre a été à la source de tellement d'initiatives dans les milieux militants, mais aussi dans le monde académique. Je pense qu'il serait quasi impossible d'en faire une liste exhaustive sans en oublier. Publications, programmes d'études, rassemblements militants. Il cherchait sans cesse les moyens de nous faire apprendre, dialoguer et échanger par-delà les frontières. Toute lutte sociale étant pour lui le début d'une victoire et toute réflexion sur cette lutte un gage des autres luttes à venir. Pierre était une véritable bibliothèque vivante. Il avait non seulement la mémoire des luttes, des réseaux de connaissances et d'amitiés sur toute la planète, des réflexions politiques sur presque tous les sujets, mais aussi une infatigable persévérance pour mettre de l'avant des projets, des initiatives, pour créer des espaces de discussion, de réflexion et de rencontres afin de faire vibrer le Québec progressiste. Pour terminer, je me permets de citer Leonardo Padura, dont le roman « L'homme qui aimait les chiens », un roman qui relate les vies en exil de Trotsky, m'avait été chaudement conseillé par Pierre lors de notre dernière rencontre en face à face, en pleine pandémie, dans un parc de son quartier, il y a un an. Je cite donc l'auteur. « Ce qui compte, c'est le rêve, pas l'homme, et encore moins le nom. Merci Pierre pour les rêves que tu nous as transmis, que ceux-ci continuent de nous inspirer. » Parler de Pierre à l'occasion de son décès, c'est à la fois quelque chose d'inévitable, mais aussi quelque chose qui est extrêmement difficile, quelque chose que j'avais jamais osé envisager. Parce que pour moi, Pierre, c'est une grande partie de ma vie tout court. Bien sûr aussi de ma vie professionnelle, ma vie militante, d'une prise de conscience, d'une éducation, où il a joué un rôle déterminant. Je me rappelle au début des années, je ne sais pas moi, en 85, au tout début de 85, Pierre m'a embauché pour un projet pour soutenir la lutte contre l'apartheid, puis mobiliser la jeunesse au Québec et au Canada contre l'apartheid. Puis il avait procédé à l'entrevue dans le cadre d'un petit repas très simple dans un restaurant chinois. Et puis en mangeant sa soupe, il m'avait posé 3-4 questions, puis il avait dit oh, « OK, c'est correct ». Moi, je n'étais pas trop sûr de « OK, c'est correct », ce que ça voulait dire. J'étais un militant, je n'avais jamais été payé pour faire ce que je faisais depuis déjà quelques années dans les associations étudiantes, au regroupement autonome des jeunes, puis ailleurs. Et puis là, ben, c'est comme si un univers s'était ouvert à moi à partir de ce jour-là. Parce que, à la fois, un univers qui était microscopique, puis un univers qui était planétaire, littéralement. Microscopique parce que, au fond, tout se passait dans un bureau et puis dans un rayon d'à peu près 500 mètres autour de ce bureau-là. Le bureau, c'était sur la rue Saint-Dominique, un endroit qui est passé au feu maintenant. Mais donc, on était sur la rue Saint-Dominique, juste un peu au sud de Despins. Et puis là, entre là et puis Prince Arthur, il y avait 2-3 restaurants, 2-3 bars. Prince Arthur, il y avait la Mazurka, il y avait... Et puis sur Saint-Laurent, peut-être aussi, de Prince Arthur jusqu'à Marianne. Et puis notre univers physique, c'est là que ça se passait. Parfois, on faisait des grandes explorations, on allait jusqu'à CSN, bien dans le nord de Montréal. Mais ça se passait là, littéralement, 24 heures sur 24, avec des gens comme Michel Mille, qui nous a quittés aussi il y a déjà plusieurs années. Puis d'autres militants et militantes du Québec, mais aussi, c'était universel parce que dans cet endroit-là, c'était aussi un feu roulant d'invités, parfois des invités de prestige, comme Thabo Mbeki, j'allais dire Nelson Mandela, mais plutôt Desmond Tutu, et puis des gens comme Lula, des gens comme Wole Soyinka, qui étaient donc des vedettes et qui attiraient beaucoup l'attention, mais aussi beaucoup de travail qui était fait de manière
plus discrète avec des gens tout aussi importants dans les luttes là où ils étaient. Je pense à des gens comme Paulus, je pense à des gens comme Rifat, je pense à des gens comme Rafik, je pense à des gens qui sur le terrain font la différence. Il y avait aussi toute une catégorie de monde qui, dans ma tête à moi, existait juste dans les livres. Martha Harnecker, Samir Amin, Paul Sweeney, tous ces gens-là, c'était comme un peu mystique de les rencontrer jusqu'à un certain point. Puis Pierre, lui, rendait ça très normal, naturel. J'avais, il faut s'en rappeler, là, au début, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à connaître et à travailler avec Pierre. Donc, beaucoup de choses étaient à découvrir pour un petit gars qui n'avait jamais vraiment quitté le Québec, qui avait jamais fait grand-chose que de vivre dans différentes banlieues à travers le Québec. Alors, c'est un apprentissage incroyable, puis qui s'est intensifié pendant plusieurs années. Tu sais. Je me suis retrouvé assez rapidement colocataire avec Pierre et Alexandre dans une espèce de situation improbable où, d'une part, Pierre avait le double de mon âge, puis Alexandre avait la moitié de mon âge. Alors, ça faisait une espèce d'épopée assez étrange où personne n'avait vraiment beaucoup de talent ménager. Donc, un peu le chaos dans l'appartement. Mais en même temps, c'est un appartement qui servait de refuge, puis de lieu de connivence entre nous, de refuge, puis de lieu de connivence avec d'autres gens du milieu, à la fois du milieu associatif, des gens du mouvement syndical, des gens du mouvement populaire, de la solidarité internationale qui passaient par la maison. Et puis aussi un lieu où on vivait des émotions. Par exemple, moi, j'ai clairement ma mémoire un jour de décembre, si je me rappelle bien, de décembre 85, où c'était le retour au pouvoir de Robert Bourassa. Les élections gagnées par Robert Bourassa 2.0. Et là, c'est probablement une des soirées où j'ai vu Pierre le plus déprimé dans sa vie. Cette soirée-là, on avait une invitée sud-africaine, puis là, on essaie de s'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, la reprise, le retour de Robert Bourassa, toutes les luttes qui avaient été menées, pas tant pour le faire disparaître lui, mais que pour changer l'establishment, changer la société québécoise, puis là, il revenait là. Alors, ça avait été une soirée avec pas mal d'alcool pour essayer d'absorber le choc. Et puis, la vraie leçon, c'est pas la discussion qu'on avait eue ce soir-là, bien qu'elle ait été très intéressante, mais c'est que le lendemain matin, il n'était pas question ni d'être déprimé, ni d'être abattu, ni d'être découragé. Ce qu'on avait là, ben, c'était une nouvelle conjoncture, puis notre responsabilité, c'était de s'organiser, puis de travailler, puis de se battre pour que ça aille dans le bon sens, à la fois ici et à l'international. Et ça, c'est probablement une des forces très, très grandes de Pierre. Ce sont deux des forces très, très grandes que Pierre m'a enseignées, puis j'essaie de les faire honneur. Puis je pense souvent à lui là-dessus. C'est que Pierre était d'une grande générosité. Puis cette générosité-là était avec moi, puis avec aussi des centaines, probablement des milliers de militants et de militantes plus jeunes à qui il a constamment eu la présence d'esprit de les accueillir, de leur transmettre le maximum d'informations qui venaient de lui, mais surtout pas de jouer au patriarche ou de jouer dans une attitude de poncif où il sait quoi dire puis quoi faire en toute situation, même s'il savait souvent, mais il ne présentait pas comme ça. Il nous créait les opportunités. Il nous encourageait à développer des contacts, à explorer des lieux, à explorer des concepts, à explorer des expériences. Et puis, quand il y avait des vedettes, grandes ou petites, anonymes ici, puis des grandes vedettes dans leur pays ou dans leur champ d'intervention, ben c'était toujours une invitation à les rencontrer, à apprendre d'eux, à lire tout ce qui passe pour être capable de mieux l'absorber, puis être capable d'en faire un tout cohérent. Puis ça, ben c'est je pense, le signe d'un grand leadership. C'est le signe de quelqu'un qui ne veut pas diriger, mais quelqu'un qui est capable d'encourager, puis qui est capable d'assumer un vrai rôle de leader. Et puis ça, ben, c'était exceptionnel chez Pierre. L'autre chose qui était exceptionnelle chez Pierre, c'était sa capacité de voir et de comprendre le monde. Et puis de le faire sans tabou, sans préjugé. Ça veut dire que, par exemple, contrairement à bien des gens dans la société québécoise et canadienne, pour Pierre, c'était clair que la situation des peuples autochtones au Québec et au Canada était non seulement inacceptable maintenant, mais avait un
Il y avait une motivation, il y avait un cheminement historique qui avait mené à ça. Ce n'était pas juste l'effet du mauvais sort. Il y avait quelque chose derrière ça. Et cette lutte-là des peuples autochtones, ici, était directement liée, conceptuellement tout le moins, avec ce qui se passait en Afrique du Sud, avec la situation en Palestine, avec les luttes des gens partout en Afrique où les relents du colonialisme étaient encore là, présents dans le monde arabe, où Pierre comprenait intrinsèquement, puis réussit à faire partager ce lien-là entre les différentes luttes. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont à la fois la présence d'esprit de le rationaliser correctement et de le partager de manière digeste et intéressante pour les autres. Puis Pierre aussi, ce n'était pas juste un intellectuel, c'était aussi un vrai homme d'action. Il se faisait toujours une gloire de nous rappeler à un moment donné ou à un autre, surtout après deux ou trois bières, qu'il restait quelques morceaux de chevrotine dans la cuisse, dans l'arrière-train, résultat de sa participation à la manifestation contre Greyhound à Montréal, puis qui se battait avec les chauffeurs de taxi. Puis il faisait le lien avec deux, trois bières de plus, quand tu le connaissais un peu plus, avec le fait qu'il avait été lui-même chauffeur de taxi pendant un petit bout de temps pour payer ses études. Et puis l'autre chose qu'il te partageait quand tu avais la chance de le connaître un peu plus, c'est qu'une bonne partie de ses études, puis de ses dépenses, pas juste pour les études, mais pour vivre, puis être capable de militer, puis être capable de faire toutes sortes de choses intéressantes dans la vie, c'est qu'il avait été scalper pendant plusieurs années où il s'achetait au début de l'année des billets de saison des Canadiens, et puis ben, en les revendant, ça lui donnait la marge nécessaire pour être capable de vivre des petites aventures politiques, organisationnelles, sociales. Il racontait. Alors Pierre racontait parfois avec un peu, avec beaucoup de tendresse et beaucoup de en même temps de rire dans la voix, comment il avait fini par marier Sarah, la mère d'Alexandre, pour littéralement lui sauver l'extradition aux États-Unis parce qu'elle avait manifesté et distribué des tracts contre le juge dans l'histoire de calcul de Sir George Williams. Alors, il y avait plein d'anecdotes comme ça dans l'histoire de Pierre, puis il était pas avare pour les partager. Puis il n'était pas avare non plus pour nous inviter à s'en inspirer, parce que certaines de ces anecdotes-là étaient plus à caractère personnel. Il y en a plusieurs qui étaient à caractère plus politique ou plus actif. Alors, Pierre était toujours au premier rang pour encourager ce qu'on avait appelé à l'époque la GECA, les jeunes et les étudiants contre l'apartheid, qui faisaient des manifestations, des occupations, toutes sortes de gestes un peu plus radicaux. Et puis après ça, quand est arrivée la crise avec les Autochtones à Oka, puis à Kanastakem, 1990, où il n'y a pas une seconde d'hésitation pour dire est-ce que c'est correct de soutenir ou pas la lutte des peuples autochtones, puis des Mohawks en particulier. Alors, on a facilité, encouragé, soutenu le fonctionnement du regroupement de solidarité avec les Autochtones, on a publié des choses, on a agi à toutes sortes de niveaux comme ça. Alors, au fond, Pierre, c'était aussi un gars de paradoxe, parfois, à titre personnel. Par exemple, c'était quelqu'un qui était capable de parler en long et en large de la qualité de certains alcools, puis du plaisir de manger bien, puis d'avoir des repas de qualité. Mais c'était aussi quelqu'un qu'on appelait parfois entre nous le broyeur, parce que s'il y avait quelque chose qui ne nous intéressait pas à manger, on était dans le bureau, bien là, on finissait par dire, bon, il n'y a pas de problème, on a juste à le laisser à côté du bureau de Pierre, puis dans les 2 heures qui viennent, ça va être éliminé. Et comme de fait, si tu avais quelque chose que tu mettais là, il avait mangé, qu'importe quelle était l'heure du jour ou de la nuit, puis qu'importe ce que ça goûtait ou ça goûtait pas. Alors, en même temps, il était capable du meilleur et du pire à ce niveau-là. Et ça en faisait presque un sujet de rigolade. On avait aussi, une fois qu'on a déménagé nos bureaux, là, il y a eu plusieurs étapes, là, la rue Saint-Dominique, à la rue Berry, à la rue du Parc, puis entre les deux, la rue, OMI interculturel, juste à côté, Sainte-Famille. Donc, on était toujours dans des situations où il se passait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de monde. Et puis, à travers ça, ben, le nombre d'échanges, puis le nombre de rencontres, puis de moments fortuits qui nous poussaient à faire toutes sortes de choses, parfois un petit peu trop extravagantes, mais toujours. Toujours un petit peu à l'avant-garde. Pierre avait le sens de ce qu'il fallait faire pour être au bon endroit, au bon moment, puis sentir les choses qui s'en venaient. Alors, ça nous permettait de se positionner, de comprendre, puis de chercher des alliances qui faisaient que ben, le prochain move allait être positif.
Il avait tiré des leçons, par exemple, de l'attaque très forte qu'il avait subie Succo avant de créer le cinéma, puis avant, après ça, d'essayer de régénérer un environnement plus solide, plus cohérent, plus structuré à travers ce qu'on avait d'abord appelé une nouvelle solidarité, puis ensuite ce qui est devenu alternative. Alors, pour moi, donc, pendant les. Jusqu'au début des années 2000, autour du sommet des peuples, puis autour de la lutte pour l'altermondialisme, puis pour combattre la mondialisation marchande puis capitaliste qui est encore malheureusement l'offensive aujourd'hui. Pierre, ça a été une grande source d'inspiration, et puis pour ça, je le remercie. Puis j'espère sincèrement que son esprit, sa capacité, sa volonté, ses connaissances qu'il a fait tellement d'efforts pour partager de son vivant, ben, on va être capable de porter le respect nécessaire, puis l'attention, puis le souvenir qu'il mérite, à la fois lui, mais surtout son œuvre, puis sa manière d'agir, d'être chaleureux, d'être heureux, et toujours quand même prêt à se battre pour faire avancer la cause pour la justice. Alors, merci Pierre. J'ai connu Pierre Baudet il y a plus de 20 ans. Et pour moi, il a été, dès le départ, un peu un archétype de ce vieux barbu dont on parlait dans ma génération jadis. Après ça, je me suis rendu compte que c'était une espèce d'homme orchestre. On pourrait parler d'un homme pieuvre, presque partout et en tout, toujours là, toujours présent. Et rapidement, je me suis rendu compte que le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas été là. Je vais retenir trois caractéristiques de Pierre je pense, le décrivent très bien et peuvent témoigner de son héritage. D'abord, la générosité. Pierre a dédié sa vie à essayer de changer le monde. Il a créé toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de projets pour aller dans cette direction-là. Deuxièmement, son humilité. Malgré son expérience, ses connaissances, ses lectures, sa sagesse, il n'a jamais pensé qu'il savait tout. Il était toujours ouvert à la discussion. Et enfin, son énergie, évidemment. Pierre était toujours en train d'écrire, en train de créer, pour rassembler, pour mobiliser, et ensuite pour recommencer, jusqu'à temps, jusque pour toujours, en fait. Donc, merci Pierre. Repose en paix. On se rappellera toujours de toi avec amour et affection. Bonjour, merci à Anne de m'avoir invité à faire cette présentation rapide devant vous de mes hommages, de cette commémoration pour notre ami, notre camarade Pierre. Je veux vous partager cinq idées, leçons que je conserve de notre amitié, de notre collaboration militante également sur plusieurs années entre Pierre et moi. Cinq choses que j'ai apprises ou confirmées ou que je partage avec Pierre, trois plus évidentes et sur lesquelles on s'entendra assez facilement, puis deux qui sont peut-être plus... qui sont des constats peut-être plus durs à entendre pour nous, mais que je pense qu'il faut se partager en mémoire de Pierre. Bon, la première, c'est pas très surprenant. Pierre est un grand bâtisseur d'organisations. Il croyait aux organisations. Il en a bâti, il en a structuré, il en a fait vivre. Et je crois qu'il faut retenir cette nécessité de bâtir des organisations qui défendent nos visions, nos points de vue, nos objectifs pour la société. Ensuite, dans ces organisations, Pierre avait une attention particulière pour les jeunes, pour la jeunesse, pour cette jeunesse qui est parfois un peu dérangeante, qui brasse la cage, mais qui permet de faire perdurer les organisations, qui permet de les asseoir dans le temps long, qui permet de créer un engouement, des moments de soulèvement. Et il faut garder cet intérêt pour la jeunesse. Troisièmement, sans la moindre surprise, les réseaux, les alliances, les espaces de discussion, de rencontres. Pierre était au cœur de plein de ces réseaux
on s'en rend compte depuis son départ à quel point il nous manque comme lien avec mille et une organisations, personnes au Québec, au Canada, partout dans le monde. Et ces réseaux sont cruciaux. Il faut en prendre soin, il faut les organiser, se donner des espaces de discussion pour être en désaccord. Et Pierre et moi, on était souvent en désaccord l'un avec l'autre du point de vue des stratégies ou des idées. Mais il faut des endroits où on sait qu'on peut discuter entre nous en sachant que malgré nos désaccords, on appartient au même espace, à la même famille. Et ça, Pierre était vraiment au cœur de notre capacité collective de produire ces espaces. Les deux choses plus complexes à aborder sont d'abord la question de la transition. La transition au sein des organisations, ça a été des éléments qui ont été difficiles pour Pierre de partir d'organisation, de laisser de laisser une suite prendre place. Et c'est difficile pour tout le monde, pour ceux qui partent comme pour ceux qui restent. C'est difficile sur la formation qu'il faut faire, celle qu'il faut recevoir, à la fois technique et politique. Je pense qu'on a besoin, en mémoire de Pierre, de travailler, de penser ces questions de transition dans nos organisations. Les créer, c'est important. Les maintenir et leur donner la capacité de survivre après le départ de leurs organisateurs principaux, animateurs, fondateurs, appelez ça comme vous voulez, c'est un élément essentiel. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que des gens comme Pierre, qui ont une force toute particulière, une énergie redoutable, une capacité organisationnelle impressionnante, donnent souvent l'impression qu'ils n'ont pas besoin de notre solidarité face à des moments d'injustice ou d'ingratitude qu'ils peuvent subir. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, de se dire « Ah ben, à quoi une dure, il va passer à travers, il n'a pas besoin de moi, il est capable de faire ça tout seul. » Je pense que collectivement, là aussi, en sa mémoire, on a une réflexion à faire sur ça. Il y a parfois des moments où même les gens qui en prennent beaucoup, qui en prennent gros sur leurs épaules, ont besoin d'un appui, de notre solidarité, mais aussi de notre proximité, puis de qu'on se mette en jeu, qu'on se mette clairement en ligne avec eux et avec elles pour défendre leurs idées, leurs intérêts, leur situation. Donc voilà des réflexions que je voulais vous partager. Merci de m'avoir donné le temps de vous les transmettre. Longue vie à la mémoire de Pierre Baudet, longue vie à ce qu'il nous a apporté comme famille politique et à ce qu'il nous a apporté, bien sûr, d'abord et avant tout, comme ami, comme proche et pour les membres de sa famille aussi. Merci. Bonjour tout le monde, à tous et toutes qui sont venus pour nous rendre hommage à Pierre Baudet. J'ai connu Pierre à la fin des années 90 quand il était le DG pour Alternative et moi je travaillais pour Développement Épée. On avait pas mal les mêmes partenaires au Brésil qui était le pays sous ma responsabilité. Et on s'est croisés pas mal, enfin, on avait beaucoup les mêmes idées, les mêmes contacts. J'ai recroisé avec Pierre quand lui, il a commencé son poste de professeur à l'Université d'Ottawa et moi, j'ai commencé mon poste de professeur à l'UQO vers 2006. Puis Pierre, il n'a pas perdu de temps pour m'embarquer dans ses projets d'organiser des colloques, des activités avec des partenaires du Sud, de créer des réseaux d'activistes, d'intellectuels. Donc,
ce que moi j'appréciais beaucoup de Pierre, c'était justement sa conviction dans ses projets, dans un autre monde possible et réalisable. Et puis que c'était un homme d'action. C'était vraiment quelqu'un que c'était pas seulement comprendre le monde, mais c'était changer le monde, et ça à tous les jours. Il comprenait pourquoi il était ici sur Terre. C'était ça. C'était pour changer le monde, pour trouver d'autres personnes, peu importe où ils se trouvent sur la planète, avec qui on élabore un projet et on change les choses. On change les choses pour éliminer l'oppression, les inégalités. Puis, il était très, très bon à ce qu'il faisait. À la fois, il inspirait sa conviction, son action, ça inspirait, mais il se laissait inspirer par le monde autour de lui. Puis, on trouvait des gens de différentes générations autour de lui. Enfin, il recrutait parmi les étudiants à Duco, à l'Université d'Ottawa. C'était vraiment quelqu'un qui était humble, qui se laissait inspirer et puis qui avait toujours quelque chose à apprendre, en fait, qui n'avait pas honte d'avoir toujours quelque chose à apprendre des autres. C'est quelque chose que moi, j'appréciais beaucoup, enfin Pierre, comme une personne humble. Puis, aussi, j'appréciais beaucoup travailler avec lui parce que c'était quelqu'un très direct, très franc. Puis, c'était toujours, voilà ce qu'on va faire, voilà, toi, tu fais ceci, cela, et puis, go. On voyait toujours des résultats. Donc, c'était vraiment très apprécié, très agréable de travailler pour lui. Puis, Pierre travaillait beaucoup, là. C'est... le nombre de courriels, d'appels, de rencontres, honnêtement, je ne sais pas comment il le faisait. Mais il y avait toujours le temps de parler, de discuter les romans, Détective de gauche. Puis bon, j'ai apprécié ça aussi, de s'arrêter, que ce soit en personne, par Zoom, par téléphone, par courriel, de parler les romans qu'on a lus, qu'est-ce qu'on a trouvé intéressant. Là, c'était très agréable et puis ça va me manquer beaucoup. Finalement, c'est difficile de croire que Pierre n'est plus parmi nous. C'est difficile parce que c'est difficile d'imaginer le monde sans Pierre. Mais je pense qu'on a tous ces mémoires de Pierre et je pense qu'on porte Pierre, on porte sa conviction, sa mission dans lui. Alors, je vais laisser à ça. Merci beaucoup. Et puis, Pierre qui reste en pouvoir. Voilà, merci. Tout d'abord, je tiens à remercier Anne, la tendresse, de m'avoir invité à rendre hommage à Pierre. Et de témoigner de l'amitié, de la fraternité que nous avons partagé les deux depuis notre première rencontre à l'Université d'Ottawa en 2016. Pierre, tu nous as légué un savoir qui incarne la vision d'un penseur avant-gardiste. Une vision enracinée dans un humanisme plus réversaliste, une vision qui transcende les histoires, qui s'affranchit des géographies, qui passe de l'utopie réaliste à un engagement sociétal, comme tu disais, pour défendre les droits des pauvres, des villes, des paysans sans terre, des femmes, des autochtones, des migrants, des réfugiés. Bref, pour défendre la justice et la liberté de tous les damnés de la terre. Aujourd'hui, Pierre à qui je rends hommage n'est pas Pierre l'intellectuel que vous connaissez certainement, n'est d'ailleurs Pierre le militant qui s'est engagé au service des damnés de la terre du monde entier. Quelle que soit leur origine, leur culture, leur histoire. Aujourd'hui, je rends hommage à mon professeur, qui est devenu au fil des années un mentor, un ami, puis un père intellectuel au grand cœur. Pierre,
Tu as non seulement enseigné un savoir dont je te serai reconnaissant éternellement, mais tu as été présent pour moi, pour me conseiller, m'épauler et me soutenir sur tous les plans. Que dire de nos moments gravés dans ma mémoire lorsque nous discutions de tant de questions qui nous animent, qui nous passionnent et qui nous rassemblent? Merci de m'avoir accueilli chez toi et dans ta cour en arrière où nous avions à plusieurs reprises imaginé le monde de demain. Merci de m'avoir invité à t'accompagner dans tes marches quotidiennes, au parc antique avec Athéna et dans tes promenades habituelles au parc de l'île de la Visitation. Je n'oublierai jamais toutes les causes que nous avions débattues, les alternatives que nous avions pensées pour que les damnés de la Terre reprennent leur avenir en main. Merci également de m'avoir partagé tes allers-retours en voiture entre Montréal et Ottawa. En automne comme en hiver, j'ai eu la chance de côtoyer de près non seulement l'intellectuel visionnaire et le militant résilient que tu incarnes, mais surtout l'homme de valeur que tu es. Dieu seul sait que ces moments sont et seront inoubliables. Je me rappelle encore et me rappellerai de tes conseils, de tes enseignements. J'entends encore ta voix résonner. Hamid, l'histoire évolue et l'avenir n'est pas préalablement déterminé. Mais n'oublie pas, les damnés de la terre sont les maîtres de leur destin, dans la limite que leur impose leur passé et leur présent. Pierre, il restera de toi ce que tu as enseigné, ce que tu as généreusement donné. À notre tour de te faire honneur. Camarade, repose en paix. Anne, Alexandre, Victor, vous pouvez compter sur mon amitié indéfectible et mon soutien infaillible. Mon cher Pierre, difficile, très difficile pour moi de parler de toi au passé. Nos présents respectifs se sont tellement croisés ces dernières années. Je n'arrivais pas à y croire quand Marie-Pierre Nogared, notre directrice des programmes internationaux à la Fondation, m'a annoncé ton départ. On venait à peine de se parler 72 heures plus tôt et on avait même échangé quelques courriels. Au départ, nous étions de simples alliés et collègues à l'œuvre pour l'édification d'un monde meilleur. Notre amitié s'est développée peu à peu au fil des dernières années. Je t'ai appuyé dans ton combat pour faire une plus grande place à l'École de développement international et de la mondialisation à Ottawa. Et tu m'as accompagné dans l'élargissement de la mission de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Par la suite, nos activités de plaidoirie pour un monde plus juste et plus équitable se sont accrues, à tel point que nous sommes devenus ces dernières années des inséparables qui trouvions n'importe quelle excuse pour aller prendre un bon café chez le Petit Flore le vendredi à 16h ou aux petites heures du matin chez Gourmet Privilège ou au Café Royal pour des dossiers plus urgents. Des batailles, nous en avons menées avec conviction. Nous étions avec Raphaël et Ronald des battants pour faire lever, c'est bien le cas de dire, de faire lever RISE, le réseau international pour l'innovation sociale et écologique. Surtout, faire lever cette organisation auprès de Montréal International. Nous avons aussi bousculé nos amis Reine et Théodore de la communauté béninoise pour un programme de santé sociale, je dirais bien, santé sociale, en misant sur l'appétit de jeunes filles apprenantes pour un travail décent sur leurs terres agricoles. Programme qui nous a été littéralement soufflé, volé par les grands officiers anglophones des grandes organisations multilatérales qui ne pouvaient déchiffrer notre langue française. Pour RISE, j'ai eu l'occasion aussi de voyager avec toi en Nouvelle-Orléans pour promouvoir nos idées avant le Forum social mondial. Nous étions chambreurs, nous partagions la même chambre. C'est là que j'ai découvert qu'on avait quand même, on n'était pas tout à fait dans les mêmes habitudes. Moi, j'aimais bien fouiller dans le frigidaire pour déguster les bières locales de la Louisiane, et tandis que toi, tu aimais plus les friandises au-dessus du frigidaire et les croustilles. Comment expliquer cette amitié entre un altermondiste et un type de gauche? Pierre, tu riais tellement à chaque fois que tu utilisais ce subjectif pour te définir. Et un économiste libéral qui a passé 50 % de sa vie dans les grandes entreprises, né de la Révolution tranquille, avant de faire le saut dans les OSBL et les ONG. Eh bien, mes amis, l'amitié n'a pas de frontières sociales. Quand c'est le cœur qui parle et quand on est porté par ses convictions. Pierre et moi, nous étions à cœur ouvert
Et nos discussions, cher Victor, chère Anne, ont toujours démarré sur la famille, notre grande priorité. Pierre, ta bonhomie va beaucoup me manquer, c'est clair. Mais ton amour pour l'humain, ton amour pour l'humanité restera toujours présent en moi. Merci mille fois, Pierre. Bon repos.